Une grande partie des méfaits de notre agriculture industrielle aujourd'hui proviennent d'aides découplées de la production donnée à l'hectare. Toujours cette course à l'agrandissement et surtout pas une course à l'emploi. Alors la politique agricole commune, c'est une politique agricole qui est commune aux États de l'Union européenne, qui était une politique par les prix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a incité nos agriculteurs à produire davantage des produits pour lesquels il y avait des protections frontières, les céréales, le lait, les poulets. Ils ont été incités ainsi à surproduire, il nous faut être honnête, ces produits en question. Mais c'était du coup dissuasif à produire des protéagineux, ce qui fait aujourd'hui que l'Europe est extrêmement déficitaire en protéines végétales. Donc il nous faut réorienter notre politique agricole commune vers des objectifs d'intérêt général. Le vrai défi aujourd'hui, c'est effectivement de passer à une politique agricole commune qui permette d'assurer aux citoyens une alimentation saine, un environnement durable, sans pollution majeure et sans préjudice pour les générations futures. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la fertilité de nos agroécosystèmes, des environnements aménagés par les agriculteurs. Je serais assez d'accord pour qu'une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les aides de la politique agricole commune soit réaffectée pour rémunérer des services environnementaux aux agriculteurs, pour que les agriculteurs ne soient plus considérés comme des mendiants. Ils vont encore demander des aides qui apparaissent à peine légitimes aux contribuables parce que les algues vertes, parce que l'atrazine dans l'eau du robinet, parce que les nitrates dans la nappe phréatique, parce que l'effondrement des abeilles. C'est insupportable pour tout le monde, pour le consommateur, pour ceux qui veulent préserver l'environnement et pour les paysans qui se sentent stigmatisés. C'est donc bien une participation du contribuable à la rémunération de paysans et il est assez logique que les citoyens qui payent, les contribuables, demandent à ce que ces fonds-là en question pour lesquels il a payé soient légitimes et rendent vraiment un service d'intérêt général et pas seulement des systèmes de production préjudiciables à l'environnement, préjudiciables à la santé. Il nous faut réorienter notre politique agricole commune vers des objectifs d'intérêt général, faire en sorte que les agriculteurs soient correctement rémunérés pour la qualité d'un bon produit sain et aussi pour les services environnementaux offerts à la société en général. Mais quand on parle de montants réservés notamment à la rémunération des agriculteurs, soyons clairs, ce qui est décisif, c'est bien les fonds issus de la politique agricole commune. 9 milliards d'euros, c'est pas rien par an hein, pour les Français, pour 300-350 000 agriculteurs, ceux qui vraiment en bénéficient. Je proposerai volontiers que ces subventions soient réaffectées pour que des agriculteurs droits dans leurs bottes soient correctement rémunérés par une voie contractuelle en échange d'un service d'intérêt général. Et tout ça en conformité avec la COP21.